Nationale est ici présente. Je ne vois pas comment on ne peut pas gagner cette élection présidentielle. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il a gagné au premier tour cette élection, je crois qu'il aura volé votre victoire. Et ça, le peuple congolais dans son ensemble ne peut pas accepter. Le problème qui se pose pour cette élection présidentielle de 2016, c'est la sincérité du scrutin. Tout indique que ce scrutin ne sera pas sincère pour plusieurs raisons. Je suis bien placé pour vous dire qu'une commission d'organisation des élections indépendante est effectivement indépendante parce qu'elle s'occupe de toutes les opérations depuis le dénombrement des électeurs, la confection des listes électorales et l'organisation des élections et la publication des résultats provisoires. Ce n'est pas le cas pour notre
pour notre condition. Elle n'a d'indépendant que le qualificatif qu'on lui a donné. Cette commission n'est pas indépendante. Parce que on n'a pas besoin d'être un grand spécialiste de ces questions pour savoir que, comme la rumeur le dit, parce qu'au Congo, tout ce qui est rumeur finit par se réaliser. Je vais vous prendre deux exemples. La première, aucun des candidats, en dehors peut-être du président sortant, ne sait où le logiciel qui doit gérer les élections et donner les résultats a été commandé. On ne sait même pas quelle est la société. Alors que c'est des questions qui devraient faire l'objet d'un appel d'offres. Dans le monde, il y a 3 ou 4 sociétés dont la notoriété et l'honnêteté est reconnue internationalement. On devrait pouvoir choisir parmi ces sociétés. Moi, je ne peux pas, je suis un candidat, mon droit, c'est d'exiger que le vote des Congolais soit respecté. Donc, quand vous posez la question sur la sincérité de ce scrutin, on dit non, vous avez peur. Non, mais moi je vois ici, si le scrutin était sincère, moi je passerais au premier tour. Parce que les départements, dans tous les départements où je suis passé, j'ai ressenti la ferveur populaire que je sens cet après-midi. Et enfin, d'après-midi, tel que vous êtes là. Donc on ne peut pas accepter d'aller à une élection, hein, comme si on allait jouer au football. Les règles ne sont pas connues. Et deuxièmement, quand vous êtes sur le terrain, vous vous apercevez que le 12e joueur de l'autre côté est l'arbitre. Est-ce qu'on peut jouer à un match de football comme ça? Je connais bien. Je connais bien cette maison. Je pense que l'engagement que les membres de la force publique, les éléments de la force publique, est un engagement louable. Parce que ce sont des gens et qui ont choisi un service difficile et qui ont droit à la considération que la nation leur doit. Mais pour cela, il faut qu'on les place dans les conditions où un engagement qui n'est pas un engagement ordinaire s'exerce en leur donnant la possibilité d'être fiers, de porter un uniforme et de servir le pays et peut-être même de donner leur vie si le pays a besoin d'eux. Ce que je vais faire, c'est prendre un certain nombre de réformes pour que mes camarades d'armes soient proches de leur peuple. Parce que les éléments de la force publique sont issus du peuple. Il n'est pas normal que pour quelque raison que ce soit, les armes de la République soient tournées contre le peuple. Nous nous engageons à faire que la relation entre le peuple, son armée, sa police et sa gendarmerie soit des relations de respect mutuel. Et nous nous engagerons à faire que mes frères d'armes soient fiers de servir leur pays et leur peuple. Voilà ce que je voulais dire ce soir.
J'aurais pu encore parler de la manière dont nous comptons répartir les ressources nationales. Les injustices, on va mettre un terme aux injustices de quelque sorte que ce soit. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. Merci beaucoup. Merci d'être venus nombreux. D'être venus nombreux ce soir. J'ai bon espoir et je suis même convaincu que tous vous allez voter pour moi pour que je dirige notre beau pays. Merci.